tu me menaces como ça, mon chéri? Pourquoi tu me fais ça? Johnson, est-ce que je te menace? Depuis que je te parle, tu ne comprends pas. On sait que tu as envie dans ta tête là. Je t'ai dit, je ne suis plus dans les affaires de copain-copine. J'ai déjà eu ma dose comme ça. Avec les deux enfants, là, je ne veux plus d'erreur dans ma vie. Je veux un homme qui va me douter. Si tu m'aimes, tu officialises les choses. Ou ça, ou rien. Mais tu sais très bien que je t'aime. C'est pas comme si c'est aujourd'hui que tu le sais. Donc, je t'ai dit que je donne-moi juste un peu plus de temps. Tu veux que je te parle en quelle langue, non? En Malanté, en Eton, en Douala, en Tchad, en tout. Choisis la langue qui va te plaire. Tu me parles, je vais comprendre. Bon. Tu veux la dot? Oui. Tu veux le mariage? C'est ce que je veux, c'est la condition, ou ça ou rien. Ok, chérie. Il n'y a pas de souci, je vais régler ça, mais depuis, ça fait 8 mois que je n'ai pas eu de rapport sexuel, chérie. Ça fait 8 mois. Il y a des hommes qui font 2 ans, ils n'ont pas de problème, tu peux supporter. Je dis ou ça ou rien. Je suis catégorique dans ça. Je dis ou ça ou rien. Si tu m'aimes officialisant les choses, comme je venais de te dire, je suis décidée. Ça a fait ça à manger tous mes pions. Tu fais comment pour la dot là? Pas ici. Ouais. Frère, pardon, mais ça m'intéresse beaucoup. Il a que le papa a bavardé pour ça la maison. Si il vend son fils de pleurer, moi si tu veux l'entendre, il a la maison. Donc, il veut quand même de cacher. Même s'il vend son fils de frère, moi-même je vais me. On va me doter, pas n'importe qui. Maïsan, fais quoi depuis là? Il est quelle heure? Pardon. Bon, dépêchez-vous, on part. Ma belle famille m'attend. On m'a tellement vanté là-bas qu'il ne faut pas régler des soirs. Pas à l'époque. Quelle belle famille. Oh, oh, encore il voulait faire comme si tu es faux. C'est sûr que la gueule attend. Une fille qui mangeait tous nos restes de plats amassés dans la maison. Elle n'a jamais lavé un plat. Je dis, mais un plat. C'est de ma femme que vous parlez comme ça. Pardon, non, non, femme, arrêtez-moi ça. Ça, ça, je ne vous permets pas. La fille a été seulement invitée, papa. Donc, de toutes les filles qui sont ici, c'est-à-dire, de toutes les filles qui sont ici, c'est un qui fait 2 enfants que tu as vu. Dis, je vais faire un furent. C'est là, même le roi n'est pas encore venu à la maison. Vous parlez de ma femme. On ne peut pas vous douter, vous parlez de ma femme. Pardon, Maï, tu sais quoi? Allons à la dot là. Allons à la dot. Arrêtez-moi ça. Ouais, papa, ouais, c'est j'ai dit d'arrêter. Non, 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 j'ai demandé d'arrêter ça, madame. Pour les encourager, votre frère, vous êtes là pour plutôt pour les descendre. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Papa, toi, tu pourquoi supporter? Tu vois tout ce qu'il fait là. Tu vois comme si c'est l'enfant, c'est ton seul enfant dans la maison, c'est l'enfant. Il en fait quoi? Pour moi, tu me vois toujours comme si c'était des enfants perdus là. Donc, moi, je n'ai pas d'espoir, n'est-ce pas? Parce qu'il a décidé de se responsabiliser. Toi-même, tu vois la fille là. Tu penses quoi, toi-même, de la fille là? La fille là n'est pas belle. Chaque jour, je pense, il ne nous rit. La fille là n'est pas belle. Arrête ça! Je supporte ton frère. C'est un bon enfant là-bas. De toutes les façons, on va douter cette fille. En tout cas, si ma mère était là, elle devait nous supporter. Votre mère que vous parlez là, elle-même, je l'ai dotée avec 2 enfants. Si j'avais regardé que l'autre là, je ne devais pas l'épouser. Et mon fils, après toi, on va aller doter cette fille. Et j'espère que c'est pas comme ça que vous allez réagir quand nous allons arriver à la maison. Parce que si vous réagissez comme ça là, je vais égarer ma main sur le visage de quelqu'un. Elle risque de perdre une dent ou un œil. Je vous avertis. Ça s'apprête. Apprêtez-vous. D'ailleurs, même vous deux là, je vais vous chasser de ma maison. Je te jure, je vais casser son pied. Quand il parle, on va dire. Je vais vous chasser de ma maison. Tu me connais même d'abord. Tu connais ma bouche, non?
on me connaissait que vous, non, je maîtrise, je maîtrise. Si j'avais écouté la bouche de ma mère, elle n'aurait jamais épousé cette femme. Elle n'est pas bien pour mes enfants et moi. Une fille de bas, snap bas. La preuve en est, notre première fille Joanna, elle a deux enfants avec deux pères différents. Et son comportement de ce dernier temps même me fait croire qu'elle est ma grand-mère. Mais si cette fille est encore enceinte, je vais la fougue dire. Et peut-être même avec sa mère, parce que comme elle aime toujours mettre sa bouche pour supporter sa fille, je vais la mettre dehors. Les deux mêmes d'ailleurs. Pourquoi on n'aime jamais écouter les parents? En tout cas, vraiment mon match. Bravo Nick. Bravo. Et Nick. Quel gâchis. Quel gâchis Nick, quel gâchis. J'étais entendu, j'étais derrière le mur. Nick, donc c'est ce que tu penses de moi. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, Nick. Après tout ce que j'ai abandonné pour toi. Quand on s'est rencontrés, tu connaissais pourtant mes intentions. Je ne voulais pas déformer mon corps avec des grossesses. Mais par amour pour toi, Nick, j'ai accepté les vergetures. J'ai accepté le gros ventre. J'ai même accepté les kilos en plus. Et aujourd'hui, tu penses de moi que je suis une mauvaise mère, Nick. Eh, quel gâchis. C'est pas avec moi les fleurs du bonheur. Ça, c'est quelle histoire, ça. Quel gâchis. J'ai accepté les grossesses, j'ai accepté les vertus, j'ai accepté tout ça. C'était une grosse erreur pour moi. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que je vous ai fait trois magnifiques enfants. Joanna, Angela, Gustavo. Oui, maman. Venez, mes bébés, venez. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous, mes enfants. Asseyez-vous. Aujourd'hui, vous êtes assez grands et vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Ai-je été une mauvaise mère ou suis-je une mauvaise mère pour vous, mes enfants? Non, maman, pas du tout. Nick, regarde-les. Regarde comme ils sont beaux. Regarde tes enfants, nos enfants. Que me reproches-tu, Nick? Mais madame, tout à l'heure, s'ils sont beaux, c'est parce que je suis beau, je suis belle. Mais est-ce que c'est ça qu'on recherche dans la société? La société a besoin des hommes, je parle des hommes. Hommes avec grand H. Pour construire ce monde. Des personnes avec des têtes pleines, mais pas des vauriens. Tu veux quoi finalement, Nick? Ma tête, Nick. Quand là, je suis fatiguée. L'éducation des enfants ne concerne pas uniquement la mère, ce sont les deux parents. Les macabres ne peuvent pas produire les patates, madame. Ta fille Joanna. Elle est tellement comme toi, elle te ressemble tellement. Mais papa... Tais-toi quand je parle, madame. Tout le monde parle dans cette maison, mais pas toi. Mais papa... Calme-toi, s'il te plaît. Nous sommes une famille, et Joanna est notre grande sœur. C'est vrai qu'elle a fait des erreurs une à deux fois, mais elle nous a toujours montré un bon exemple dans cette maison et nous devons beaucoup. Donc papa, s'il te plaît, avec ça. Merci. Merci. Au moins, je peux compter sur vous dans cette maison. Je suis fière d'avoir votre soutien. Parfait.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'ai pas un coup en sens? Je suis morte dans cette maison. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pourquoi tu es si pensif alors ces derniers jours? Il y a une femme surprise, j'ai rencontré un monsieur et il est très sérieux. Il compte venir demander ma main et finaliser toutes les choses. Mais ma fille, tu sais, c'est lui pour tout. Tu sais, c'est pas ça. Le X devait venir. Il est sérieux et d'ici le mois prochain, il va venir vous voir et il aura la dot. Oh merci ma mère, tu vas m'enlever la porte dans cette maison. Merci mon bébé, merci. Joanna, tu vas pas au la mère. Donc, concentrons-nous sur les préparatifs parce que c'est le mois prochain. Il viendra te rencontrer, papa. J'espère que tu as fait le bon choix. Non, ça tu sais que je suis très exigeant. Le tout, si c'est le bon choix, papa, toi-même, tu vas.